J'ai zéro douleur. Alors, c'est un truc de fou parce qu'avant, j'arrivais pas à me lever le matin, j'avais mal à la hanche. Alors, moi, j'ai des douleurs qu'à la hanche. Bon, j'ai fait des pubalgies à répétition, j'ai été opéré 3 fois, voilà. Mais là, je n'ai zéro douleur depuis que je fais le poids. Enfin, depuis, on va dire, 6-7 semaines, je n'ai zéro douleur. J'ai zéro douleur. Je dors très, très bien. Il y a zéro souci. Je fais la cohérence cardiaque, je la fais 3 fois par jour. Ça, je me suis pris une routine. C'est le matin, midi et soir. Et ça, c'est top. Hein. Franchement, ça, c'est génial. Et C'est. petit tips, tu peux le faire avec tes joueurs 2 minutes avant de rentrer, pas cinq, On mais. le fait, ouais. On le fait. Ça, je le fais. Et même maintenant, mes joueurs, ils ont pris le. Bon, j'ai Max Guénière qui a joué à haut niveau et donc qui connaît un peu ça. Et dès qu'il y a des moments un peu d'affolement, il réunit tout le monde, il le fait. Et ça, on le fait avant de rentrer à la mi-temps. Et tu vois, moi, j'en ai fait profiter toute la famille parce que tout le monde, on a découvert des nouvelles recettes que tu vois, moi, les poireaux, avant, jamais j'en mangeais, mais jamais. C'était, ça m'écœurait. Le risotto aux poireaux, je le ferais tous les jours. C'est trop bon. Et mes petites, elles adorent ça. Donc, tu vois, c'est. Moi, je l'ai plus pris comme un jeu, j'ai pas trouvé contraignant. Après, c'est du temps, c'est sûr, mais il faut s'organiser. Voilà. Ok. Là, tu sais, il y a des choses que tu sais maintenant, autant sur la nutrition que même sur le sport. C'est-à-dire que, et ça, il faut vraiment qu'on en parle. Si tu as pris goût au fartlek, je ne sais pas si c'est la, si c'est le Ouais, cas ou ouais. pas. Si. Alors, je le fais avec mes joueurs le mercredi soir, là, avec ceux qui sont en cours de. Avec le prépa physique qu'on a, et on a pris cette routine là, on l'a fait. On le fait après. J'ai deux joueurs là qui sont en réathlétisation et qui veulent reprendre pour les phases finales, et du coup, ils le font avec moi. Ouais. Contraignant, non. Difficile, franchement, non. Moi, c'était plus un plaisir en fait. Franchement, là, moi, la muscu, là, j'ai vraiment pris du plaisir. C'est les Ok. tractions, j'ai démarré, je crois que j'étais au niveau 2, je suis au niveau 5 là. Et c'est alors, les tractions, c'est un truc de fou, j'adore ça. Mais même la muscu tout court, franchement, les séances, je les trouve, j'adore. Enfin, je trouve que c'est ludique, c'est bien, c'est pas trop, et on voit quand même des résultats. Même les pompes, je t'avoue que j'étais le bien, hein, maintenant. Hein. Je suis nickel, je suis passé au niveau 4, là, mais voilà, sans problème, je progresse, quoi. Donc, par contre, j'y suis allé lentement parce que je sentais que je faisais pas les exercices comme il fallait, donc j'ai pas brûlé les étapes, hein, au niveau du. Je me suis pas dit, tiens, tu vas aller faire le niveau 6, j'y étais pas encore. Hein. Donc, tu vois, les squats par exemple, j'ai toujours pas le réflexe de descendre sur les talons, sur le niveau 5, je crois, donc je suis resté au niveau 4. Enfin, c'est pas un régime, hein, en fait. Et moi, c'est ce que je dis aux mecs parce qu'ils le voient, parce que moi, je reste manger les vendredis soirs et les vendredis soirs, mais je m'amène ma gamelle. Alors, ça les fait rire, hein, tous, là, je me fais brancher. Mais bon, j'en ai dit, mais voilà. Et l'autre jour, j'ai rejoué là pour dépanner, mais à l'entraînement, tu sais. Et les mecs, j'ai fait 2-3 valises. Et les mecs, ils se foutaient plus trop de ma gueule quand même, parce que même quand je fais le fartlek, les deux là, je les tords. Hein. Mercredi dernier, j'ai été tordu. Donc, et pourtant, c'est des joueurs qui sont. C'est un centre et un troisième ligne qui ont au niveau cardio et qui sont très bien. Mais pourtant, j'étais vraiment en forme. Et l'autre jour, je me suis fait brancher. Au début, ils rigolaient quand j'ai fait la première valise. Sauf que moi, après, ça m'a un peu piqué. J'aurais dit, mais rigolez, ouais, rigolez, vous allez voir. Et deuxième, parce qu'on travaille la défense autour des rucks, tu parles. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, ça a Bon, été un mais plaisir merci. de te connaître et Ouais, puis ben ouais, de même. De même, c'était cool. Moi, en tout cas, c'est une super expérience. Merde. Je sais pas, tu m'as. Ouais, c'était une super expérience et ouais, franchement, je regrette pas du tout. Impec. Merci Voilà. Thibaut. À Ouais, plus. merci à toi. À Ciao, plus. ciao.